Il y a déjà longtemps de cela, nous habitions une des plus vieilles rues de la ville, au cœur même des fortifications, qui autrefois gardaient les habitants contre toute intrusion venue de la forêt. Souvent, ma mère cousait très tard dans la nuit. Elle avait la résignation têtue de celles qui accomplissent, depuis des générations de crainte et de pauvreté, les gestes nécessaires à la vie quotidienne. Nous étions pauvres. J'étais la deuxième d'une famille de 6 enfants. Quoi pouvait songer ma mère, immobile contre la fenêtre? Je me le suis demandé quelquefois. Évoquait-elle dans la nuit l'image de cet homme silencieux que je ne sais quel hasard de l'amour ou de la solitude avait un jour rapproché d'elle pour en faire son mari? Le sang indien coulait dans les veines de mon père. Mais cela ne semblait devoir lui apporter rien de bon sur cette terre. Ma mère craignait la campagne plus que tout au monde. Pour elle, mon père avait quitté son village natal de Lorette et les bois environnants, tout plein de souvenirs de chasse et de pêche. Il était devenu boulanger. On le payait mal, et dans son dos, on l'appelait le sauvage. Il ne paraissait s'apercevoir de rien. Mais peu à peu, sa fierté s'était ternie comme une vieille monnaie. Qu'y a-t-il derrière le silence d'un homme qui rentre chez lui au petit matin, harassé de travail, et que guette le rêve comme une grande pitié? Suffisait-il d'un cri d'oiseau dans la nuit pour que mon père retrouve en lui cette nostalgie de l'espace et de la forêt dont il ne parlait jamais? Parfois, il s'attardait dehors jusqu'au jour. Il remontait vers la haute ville, cherchant l'air libre et la lumière dont il était privé. Je crois que cette année-là, les promenades de mon père aboutissaient presque toutes à une certaine petite boutique d'articles de sport qui semblait l'attirer plus que tout au monde.
Sans doute au début, n'avait-il fait que regarder, examiner, juger d'un œil de connaisseur cette canne à pêche inaccessible. Et peu à peu, il s'était laissé prendre au jeu jusqu'à ce que la tentation devienne pressante comme la soif. Françoise, dès 7 heures, la maisonnée se mettait en train, bourdonnante comme un nid d'abeilles. C'était à qui réclamerait de quoi manger et s'habiller, de quoi parler et rire. Et chacun saluait à sa manière la journée qui commençait. Partez, je vous rejoindrai. Dépêchez-vous, les enfants, vous allez être en retard. Toi aussi, Claudia. J'avais 10 ans. Parfois, je restais à l'écart et je repassais des choses dans mon cœur. La vie me paraissait précieuse et difficile. T'es pas prête. Là, je vais t'aider. Tiens, va vite, ma chatte. Bonjour, maman. Mais un matin, en partant pour l'école, qu'est-ce que mon père pouvait bien ainsi rapporter à la maison? Depuis longtemps, rien de nouveau n'entrait plus chez nous. On s'arrangeait tant bien que mal de ce qu'on avait déjà. Ma mère réparait, raccommodait, et les vieux objets abîmés se transformaient sous nos yeux, prenaient des formes de plus en plus incommodes, jusqu'à devenir inutilisables. Un objet extraordinaire, presque maléfique, était soudain tombé chez nous. Et je n'étais pas loin de croire que le diable des eaux et des forêts pouvait bien se cacher au cœur de cette innocente canne à pêche. Cette misère, que ça a dû coûter de l'argent. Bon, moi j'ai sommeil. Hé, la sauvagesse! Hé, la sauvagesse! Hé, la sauvagesse! Hé, la sauvagesse! On m'appelait la sauvage pour me faire enrager. Mais personne ne m'avait jamais rejointe à la course, et de cela j'étais très fière. Tiens, il y a une lettre pour toi. Non, c'est à moi. Je veux la voir. C'était la première lettre que je recevais de ma vie. Cela venait de Janine, ma meilleure amie. Ma chère Claudia, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. J'aime mieux l'ouvrage de maison que les livres d'école. C'est pour t'inviter dimanche chez nous au soir. Mon frère Jean-Louis a acheté un auto. On viendra te chercher dedans après la grand-messe si tu veux venir chez nous. Demande à ta mère et à ton père aussi la permission de venir chez nous. Mes grands-pères et grand-mères t'invitent aussi. On te reconduira dimanche le soir, rapport que mon frère travaille en ville lundi matin. Des saluts distingués à tes parents, d'une amie qui se rappelle de toi, Janine. J'avais très envie d'accepter l'invitation de Janine, mais déjà je prévoyais les objections de ma mère. Comment lui expliquer, lui faire comprendre?
Ne m'avait-elle pas toujours parlé de la campagne comme d'un lieu d'ennui et de malheur? Maman. Comment faire pour l'habiller, cet enfant-là? Les souliers qui sont usés jusqu'à la corde. Va te laver, ma chatte. On aurait dit un complot. J'avais grand confiance en Françoise. Elle seule pouvait convaincre ma mère. J'ai cru entendre le mot robe et coton bleu et coudre. Coudre qui revenait souvent. Enfin, le dimanche arriva. Quelle merveilleuse robe m'avaient faite maman et Françoise. Ta ceinture est pas trop petite, toujours? Non. Prends garde au coup de soleil. Hein? Peigne-toi pas dans la rivière. Mange pas trop de fruitage. Sois poli avec tout le monde. Tourne-toi, là. Vite, vite, maman! Jean-Pierre, reste ici, là. Jeannine m'attendait dehors avec ses frères. Je brûlais de partir, mais ma mère n'en finissait plus de ses conseils. Chicane-toi pas avec personne, hein? Surtout, tâche de pas t'ennuyer. Parce que tu sais, la campagne, c'est dur pour l'ennui. Bon, ben, va maintenant. Claudia. Écoute bien. L'ennui à la campagne, tu sais, c'est pas vrai. C'est seulement pour les sans-génies. Mais fais bien attention. Écoute bien. Regarde bien aussi. Marche sans faire de bruit pour surprendre des secrets. Puis tu me raconteras tout ce soir. L'attitude nouvelle de mon père me surprenait, m'inquiétait presque. Et puis j'avais si hâte de partir, de rejoindre Jeannine qui m'attendait à la porte. Attends. Je trouvais tout à coup que mon père avait de bien bonnes idées. Je me promettais de lui rendre compte de ma journée à la campagne. Et en même temps, je me sentais très fière, comme si on m'eût chargée d'une importante mission en pays inconnu. Thank you.
Il me semble que tout d'abord, ce pays inconnu me reçut fort mal. Cette longue allée, cette maison perdue dans les champs, tout me paraissait étrange, hostile même. La grand-mère de Jeannine, sévère et lointaine, le chien trop exubérant me faisait également peur. La présence de Jeannine ne me rassura qu'à demi lorsqu'il fallut traverser la ferme. Tant de choses nouvelles. La petite fille endimanchée que j'étais n'avait pas assez de mots en mémoire pour nommer la vie qui l'entourait et la pressait de toutes parts. Je répétais tout bas les mots de campagne que je connaissais. Fleurs, champs, papillons, herbes, arbres. Et chaque mot s'ajustait à chaque chose pour ma plus grande joie. Et puis je pensais aux paroles de mon père et je redoublais d'attention, espérant et redoutant à la fois la révélation possible d'un grand secret. Jeannine me fit signe de ne pas écraser le foin. J'appris le mot « foin » et le mot « verger » et tout cela me paraissait extraordinaire. J'avais très peur de me perdre dans le bois. Mais Jeannine m'assura que les chiens savaient toujours retrouver leur chemin grâce à leur odorat. Je pensais que si je continuais ainsi d'avancer de plus en plus profondément sous les arbres, tout le mystère de ce petit bois-là me serait bientôt révélé. Je croyais entendre la voix de mon père. Fais bien attention, regarde bien, écoute bien. Je tendais l'oreille dans l'espoir de surprendre la vie cachée des choses. Thank you.
Pour ce qui est de la rivière, je crois que je l'ai aimée tout de suite, comme si je l'avais attendue depuis longtemps déjà. L'étonnement, la crainte aussi, conféraient à mes découvertes une espèce de gravité presque solennelle. La vie, la plus belle et la plus forte, devait ressembler à cela. Une eau qui passe transparente et vive, sans jamais revenir en arrière, renouvelant ses images à mesure. Comme cet oiseau était grand et fort, surveillant ainsi son domaine du haut des airs. Tout l'été m'entrait doucement dans le cœur. Je me sentais livrée à une sorte d'enchantement qui me tenait lieu de tout et faillit même me faire oublier mes amis et la partie de pêche. Claudia! Claudia, viens quand t'auras pas le temps de pêcher! Ce poisson, je ne voulais pas le sortir tout de suite. Je tenais à le regarder nager. Je désirais l'examiner à loisir pour ensuite en parler à mon père. Quoi? Je veux de l'eau. Tu es trop tard. Va te coucher. Alors? Tu l'as bien vu, ton poisson? Oh oui, pas. Il était tout argenté et picossé de roux. Ça devait être une truite. Une belle truite. Ça devait gigoter, hein? Tu sais, Claudia, la pêche, la chasse,
les lacs, les rivières, les bois. Ça me connaît. Je suis né là-dedans. Je reconnaîtrai le bois rien qu'à l'odeur. Les yeux fermés. Comme un chien de race. Puis tu sais, un vrai sauvage comme moi, c'est pas pardable dans le bois. Ça retrouve toujours son chemin. Une fois, quand j'étais tout petit, je me suis perdu dans le bois. Cette année-là, je devais avoir 12 ans. Puis tu sais, dans le bois, la noirceur vient vite, sans qu'il y ait personne pour t'avertir. J'avais beau être perdu... Mon père paraissait inexplicablement heureux. Jamais je ne l'avais vu ainsi. On aurait pu croire qu'il voyait à mesure les choses dont il nous parlait avec tant de connaissances et de passion. Dans mon petit gobelet d'école en fer blanc. Des fruitages en masse. Ma mère aussi écoutait, comme si quelqu'un qu'elle ne connaissait pas se mettait soudain à parler une langue étrangère. Elle était à la fois inquiète et fascinée. Ce pays sauvage dont parlait son mari ne contenait-il pas tous les mauvais génies de la terre, inextricablement mêlés au bon? Et comment une pauvre femme comme elle arriverait-elle jamais à les départager si par malheur il survenait dans sa maison? Mon père, devenu intarissable, racontait toujours. Et moi, brûlée de soleil et de grand air, je tombais de sommeil, emportant avec moi mes propres images de campagne. Fleurs, papillons, araignées, grands oiseaux, beaux poissons d'argent picossés de roux qui nagent dans la rivière tandis que se casse la canne à pêche. Je crois même que ce soir-là, j'emportais dans mes songes l'étrange impression que la terre entière, avec ses campagnes, ses bois et ses eaux, serait un jour à ma disposition et que mon père me la donnerait en guise d'héritage.